On est en train de lui coller des, des stickers hyper dynamiques, fous, sauteurs, aboyeurs, mordeurs et agressifs, et il doit faire du troupeau et machin. Tu t'en sors plus. C'est fini. Découvrez les formations Esprit Dog pour éduquer votre chien. Formation spéciale chiot, formation chien adulte, avec déjà plus de 90 000 mètres, membres et satisfaits. Formation pour les chiens seniors, formation chien agressif et formation pro. Éduquez votre chien et développez votre complicité. Pour le prix d'une heure avec un éducateur canin sans abonnement. Rendez-vous sur espritdog.com. Salut bande de chiens, j'espère que vous allez bien. Un nouveau podcast, vous le savez, tous les lundis matin sur les plateformes de podcast, mais une fois par mois sur YouTube. YouTube C'est euh... celui-là qui est sur YouTube. Euh, donc n'hésitez pas déjà à commenter par rapport au sujet là même en même temps que vous écoutez la vidéo c'est super important comme ça on regarde on échange vous échangez tous ensemble et c'est super ah, l'amour l'amour tiens non, on va parler de quoi d'ailleurs parce qu'il m'a pas dit encore je sais que tu ne sais pas non c'est un podcast race ouais hein, comme on a fait déjà l'Europe okay. j'étais pas au courant bah je sais que tu n'es pas au courant très on, bien. A, on a fait le l'Amstaff le, déjà oui, bien staff, sûr évidemment bah, très bien ah je pouvais pas passer à côté mois de janvier il y a eu le classement des chiens préférés des français qui est arrivé les numéro un depuis plusieurs années c'est berger australien ah voilà ça je sais que plus... tu et les aimes ça me fait plus... <laughs> Je sais que tu adores cette race, c'est ta race préférée, même d'habitude du deal grotte pour faire plaisir, mais en vrai, je sais que. C'est la ça. 1 premium. C'est la plus <laughs> euh, Non, on va parler du berger australien. Euh, c'est pas une fiche de race, je rappelle, euh, peut-être, si, parce qu'il y a déjà la fiche de race sur le berger australien, donc ça vous pouvez aller la voir, etc. Euh, là, c'est plus une discussion autour, autour de tout ça, autour du berger australien. Euh, qui est numéro 1 D'ailleurs, il y aura un Panic Doc qui arrivera avec un berger australien oui. euh, qu'on a reçu, qui arrivera dans oh, euh, tranquille. Euh, mais en tout cas, il est numéro un déjà. Euh, il est numéro un depuis quelques années. Est-ce que toi, tu as une explication de pourquoi ce chien-là Moi, j'ai une explication surtout de pourquoi je peux plus le pifrer. Alors Parce qu'il a été dans mon top 3. Ouais. À moi, perso, hein, ouais, ouais. Pendant des années. Ouais. Et il y a quoi 5-6 ans ah, Depuis qu'il est numéro un Ben, bah, j'ai commencé à décliner. Ok. Pas à cause de lui, à cause des gens. Alors justement, on va en parler, on va en parler, parce qu'on va faire comme d'hab, on va parler de, de tout ça. Mais à ton avis, pourquoi lui, il est numéro 1 un as, as une explication ou vraiment tu sais pas euh... Parce qu'il a une bonne petite bouille. Ouais. Euh, il pas il très a... gros, pas très est... petit. Euh... C'est l'intermédiaire. Ouais. Il a une bonne image. Euh, tu sais, il fait ni peur, ni pas peur, ni ouais, machin. Ouais. Euh, il est réputé pour être... Euh intelligent mais c est, c est un vrai. peu le cousin con du Border, border Collie. Tu vois Généralement quand on dit chien intelligent, c'est border qui arrive oui. tout de suite et en fait le parent pauvre, ouais, c'est le Berger Australien. Vrai, vrai. Mais il est quand même plus intelligent que tous les que, autres dans la tête ça, des gens. Ça, vrai. Parce que sinon ça ne veut rien dire. Vrai, mais vrai. et donc si tu veux, il a une bonne petite bouille, tu vois. Ouais. Il est tout doux. Euh, il est pas con. Il a une bonne image. Allez go. Vas-y go, numéro ça part. Un. Numéro un. Est-ce que c'est un drame pour lui d'être numéro 1 un, ah bah... C'est une bonne chose. C'est un drame pour lui. En tout cas, c'est un drame pour beaucoup de bergers australiens d'être ouais. numéro un parce qu'ils finissent dans des foyers mm. qui ne peuvent pas en avoir. En fait, c'est ça le drame. Ouais. C'est-à-dire que il y, y a jamais aucun drame du moment que ça se passe bien. Tu es oui, content, tu vois, qu'il soit premier. Il est partout, on le voit partout. Bon, bah, génial, tu vois. Le vrai problème, c'est quand tu prends un berger australien, pensant que tu prends pas un berger australien mm. intellectuellement dans sa, dans sa demande, dans sa demande euh, psychologique, euh, physiologique aussi. Aujourd'hui, franchement, c'est extraordinaire, alors que ça ne devrait pas l'être hein, si tu l'éduques bien, d'avoir un berger australien qui aboie pas. Oui, oui c'est vrai. Putain, mais tu sais que... C'est vrai que tout, beaucoup, moi, beaucoup de bergers australiens dans ma tête, je les vois tout le temps aboyer euh, mais pour oui. rien. Mais oui, mais, parce qu'ils aboient. Ouais. Alors que si tu t'y prends bien, ils aboient pas. Ouais. Sauf que, ah, le berger australien, il est arrivé aussi avec tous les effets de mode des propriétaires et de l'éducation canine. C'est un peu, tu sais, euh, dans le TGV euh, de l'éducation ultra positive. Et je parle bien d'ultra, hein. mmh. je ne parle pas d'éducation ah positive. Mais de, dans la dérive, de la dérive. Dans, dans, dans le wagon de la dérive mmh. du positivisme, mmh. bon, bah, il y avait le berger australien. Et donc, il y avait les maîtres de berger australien qui ont suivi ça. Ouais. Et. En... Moi, à chaque fois qu'il y a un berger australien qui aboie, j'ai envie de taper sur le maître. Ouais. Mais pas son chien. Hein. Euh, ouais, bien sûr. Bien Parce ça. que je me dis, putain, mais vraiment, vous me cassez les couilles à être ouais. con comme ça, tu vois. C'est possible. Mais c'est même pas possible. Mais même en cher. commentaire, je suis sûr que là, il y a plein de gens qui vont dire Moi, un berger australien, il n'aboie pas, il est cool. Évidemment que c'est possible. Et heureusement, euh, Sauf que sûr. pour que ce soit possible, il faut que toi, tu sois au niveau. Ouais. Et tu le berger australien, dans, dans ses aspects, il demande aucun droit à l'erreur, un peu comme le malinois, mais avec d'autres aspects. Okay. Là où le malinois, c'est beaucoup plus sur euh, euh, du speed, euh, est quelque chose qui pétille, tu vois, et où si tu te trompes, ça peut vite devenir un, un calvaire. Ouais. Et bien, le berger australien, dans tous ses aspects techniques, et bien, si tu te trompes, même un tout petit peu, ouais. Eh ben, il va devenir aboyeur. Il va mordiller un petit peu. Il va être un peu con avec ses congénères. Il va faire ceci. Putain Alors que là encore une fois, c'est pas prévu au programme normalement. Ouais, ouais. Donc, je il vois un peu des... comme enfant roi quoi. Le... Ah, beaucoup en de... tout cas, il, de... il est un foyers. peu traité comme ça. Ouais. Et surtout, je crois que c'est le chien qui vit le plus de drames dans les foyers, entre un qui dit oui, l'autre qui dit non. Ah oui. oui. Alors c'est à dire que dès que arrives dans une famille qui a un berger australien, tu as toujours, maman elle dit un truc, papa, papa il dit le contraire. Oh putain Et tu t'en sors jamais Pourquoi Ça par rapport à quoi Le berger, austral... Pourquoi ce au berger que, australien. australien Par rapport au fait que déjà, il est en train de remplacer un peu le labrador dans tous les foyers. C'est vrai, ça c'est vrai. Alors. C'est devenu le chien de comprend le chien basique. C'est ça. Quand on n'a pas de personnalité chez ça le labrador, mais, mais c'est mais... souvent ce qui était vu par les maîtres, pour les labradors. Alors de labrador, que, et en fait, ça l'a sauvé le labrador que le berger australien arrive. Ouais. Parce que le labrador, il était à ça de finir très mal. Ouais destructeur, fou, il va tout mordeurs, casser, mordeurs. premier mordeur de France. Alors qu'en fait, c'est une question de volume, Bien de et nombre puis, de spécimens. De ce qu'on en fait et puis de Mais de si tu veux, il était en train de partir sur un, prenez plus de Labrador, ça détruit tout dans la maison. Mmh. Heureusement, le berger australien, il a, a débarqué. Labrador, il est parti dans les bas fonds. Ouais. Eh bien, ça l'a sauvé. Ouais. Comme ça, au moins, on le fout un peu la paix. C'est vrai. Mais donc, le Labrador finissait, en fait, dans tous les foyers. C'est un peu le. C'était le patapouf du foyer. Euh... T'as ouais. pas de personnalité, t'es personne, ouais. prends un Labrador. C'est vrai, hein, c'était un peu ça. Alors hein. que c'est complètement faux. Ah oui, oui. Mais, Mais un peu intellectuellement, c'était euh, ouais, ça, tu ouais. vois. Ouais. Bon, bah, donc, finalement, que, quand t'arrives chez monsieur et madame, tout le monde, n'importe quoi, bon, bah, on fait n'importe quoi. Ouais. Et quand on fait n'importe quoi, eh bien, on développe des troubles de comportement. Ces troubles de comportement deviennent, en fait, bah des espèces d'idées reçues mais qui sont finalement plus des idées reçues mais des réalités mmh. puisque oui c'est vrai je ne peux pas te dire le contraire euh, ça se passait comme ça dans beaucoup de foyers ouais, ouais. et bien, le berger australien c'est pareil ouais. et là on est en train de lui coller des, des stickers tu sais on lui met le hyper dynamique fou sauteur aboyeur mordeur bien sûr. Euh, alors après, de plus en plus agressif ça débarque sur le en, chien en, berger, de berger donc de il va mordre de derrière de et agressif de et il doit faire du troupeau et machin ça y est on a collé tous les, toutes les étiquettes ouais. tu t'en sors plus Ouais. C'est fini. Euh, c'est quoi l'affect que tu as, toi Quand tu berger australien, maintenant. Euh... Ça a été un de mes premiers coups de cœur, moi. Ah ouais Parce que ma deuxième cliente, ouais. c'est pas compliqué. Premier client de ma de vie. Ta vie. Hein, ouais, de ouais. ma vie. Ouais, ouais. Je me rappelle très bien, c'était euh, un camp de gitans. Ok. Donc là, bah, tu arrives, ouais. d'accord. Ils avaient un problème de mise en conformité, Puisqu'il y avait des staff, pitbulls, enfin, un ouais, peu croisés ouais. attachés aux arbres, etc. Et il fallait mettre un peu d'ordre dans tout okay. ça en termes de loi Et c'est eux qui t'appellent. Et, et donc ils m'ont appelé. Oh, c'est mon premier client. Ok. Donc, bon, bah, tu débarques. Cool, et donc, ouais, ouais. Grave bonne expérience. Ouais, ouais, ouais. Euh, vraiment, c'était un délire. Deuxième client, donc dans la même journée. Ouais. C'était à Bretigny, d'accord. Okay. Et c'était deux berger, enfin, c'était un berger australien. Après, il y en a eu un deuxième okay. qui est arrivé, d'accord, un mâle, une femelle. Et, euh, et donc je débarque, euh, bah, je débarque là, tu vois. Ouais. Et là, je te vois un berger australien coup de cœur. Ok. Mais c'est lui qui a eu le coup de cœur pour moi au départ. Ok. Moi, j'arrive normal, enfin c'est ah ouais. pour m'occuper de lui. Et en fait, c'est lui qui a le coup de cœur. Ok. Une histoire d'amour, c'est-à-dire que ce chien-là, on l'a gardé énormément. À je la maison, tu veux dire après, ouais. ah, en pension un ouais, peu. Ouais, je l'ai gardé, gardé, chez moi. Ah ouais. euh, C'était le pote de tout le monde. Enfin euh, vraiment, okay. un délire total. C'était un chien. J'avais juste besoin de le regarder pour qu'il fasse quelque chose. Genre, je sais pas, on marchait dans la rue. Je voulais lui apprendre la marche en laisse. Hein. Ouais. Je l'ai regardé une fois. C'est bon, il s'est mis en laisse. Ouais, très il connexion. Quoi. Mais euh, genre, il n'y avait pas de magie. Hein. Oui, oui, euh, oui. Coup de ch... Il se passe un truc. Oui, 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 mais oui. je suis incapable de le reproduire. Tu oui, vois, oui, bien tu sûr, vois bien le, sûr. le délire. Euh... C'était mon amour. Okay. Tu non, mais vraiment, c'est Il, il t'appelait de... pourquoi s'il était cool tout ça bon. Ah, un un peu, okay. euh, après tu sais, c'était dans un quartier donc euh, elle me disait ah, c'est relou quand ils font du quoi d'en bas il a un peu peur ah, oui, oui. Euh, et puis tu vois ce que je veux dire oui, oui. euh, vite quartier quoi oui, tu oui, vois ouais, tranquille ouais. Et, euh, et donc on lui a appris un peu tout ça puis pareil vite quartier ça veut dire beaucoup d'enfants et quand il y a beaucoup d'enfants bah c'est tout le monde veut le toucher tout le monde veut le caresser ouais, oui, oui et bah, un... des fois c'est un peu compliqué tu vois et donc dans ces cas-là bah, c'est pareil tu vois c'est des premières expériences où bah tu sais toi tu arrives très euh, très bah non on touche pas un chien en colère pas ouais, un chien, ouais, nanana, ouais. tu vois et puis bon bah, au bout de trois minutes bah, tu te euh, quand t'es le... pas con bah, quand ouais. t'es pas trop con quand t'es pas tenu euh, par une obligation par un truc, les règles tu que t'as appris ouais. Ouais. Ah, tu te dis de bah, toute façon je fais comment cest à ouais. que là euh, ça je prends un fusil et, <laughs> et tu veux sur tous les enfants tu vois mais sinon de toute façon, ça je ne vais pas les contrôler cela. C'est impossible ça. dans le ouais. quotidien. Donc, tu vas mettre une autre mentale, une autre façon de faire. Mm. Euh, et donc, vraiment, histoire d'amour, tu okay. vois. C'était euh, juste fou, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et, et alors après, euh, il avait euh, plein de défauts, plein de trucs, ouais, plein ouais, de ouais. machin. de Mais à chaque fois, on a bossé pour arriver à les régler. puis un deuxième, puis un troisième. Et ça s'est enchaîné, okay. tu vois. Et euh, donc, c'était vraiment un chien pour lequel j'avais un... J'ai un, un vrai délire, ouais, tu vois. Ouais, ouais. Et puis... Ah, et puis, euh, et puis les mentalités ont changé. Ouais. Passé le chien, chez les maîtres. Et je, oui, je Parce que ça, c'était quoi il y, a, il y a 15 ans. Oui, c'est ça ouais. à peu près. Et je me suis retrouvé confronté, putain, à des maîtres où j'étais dépassé. C'est-à-dire que j'arrivais, puis le chien, waouh, 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 et il aboie, il aboie, il, il fait caboyer et, euh, et même quand je leur demandais si euh, si le régler le problème, tu vois euh, Alors ils voulaient le régler. Enfin, il y avait une partie de leur cerveau. Qui te dit oui, bien sûr, mm -hmm. et une autre partie de leur cerveau qui dit bien évidemment que non, c'est tout à fait naturel qu'il la c'est normal. Et tu confronté à deux trucs là, et tu dis Attends, mais euh, moi, c'est mes... un des premiers chiens, c'est une des premières races qui m'a forcé à me poser pour dire Comment c'est possible que dans la tête d'un humain, d'accord, un humain lambda, d'accord, hein, il puisse y avoir comme ça autant de petites voix mm. qui disent le contraire, parce qu'on a toujours le petit démon, le petit ange, tu vois. Mais là, c'était pas le cas. Et tu avais. Euh, T'avais l'impression que la personne quand elle te parlait, elle commençait la phrase par euh, "mais bien sûr que je voudrais qu'il arrête". de... Et effectivement, il faut qu'il continue. Mm. Et j'étais là, attends, es en train de... Me... Tu vois que dans ta phrase, il y, 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 y a deux y a, choses. Il oui. y a tout là. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ah, toi ah. Et j'ai commencé à m'interroger. Bien putain, mais d'où ça vient ça Comment c'est possible de, 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 de vriller un peu comme ça Tu vois mm. Eh, c'est possible, bah parce que oui, je me suis rendu compte que c'était dans une mouvance, c'était, euh, c'est pareil, c'est, ça fait partie de la première, une des premières races à créer le des clans, tu sais, de les balades de bergers australiens. Ah, ça, et en fait, ça a, parce que tout le monde l'a fait au, au fil oui, des, des sûr, années, bien bien mais ça a été démocratisé, ouais. ça a commencé un, un peu, peu par, clan par maître peu. de Berge australien, ouais. mais un peu le clan, tu ouais, vois, ouais. Le, le gang du machin, le tu -Australien. vois, australien. et et tout ça bah, fait que on a, on a commencé à voir les mêmes problématiques chez les mêmes maîtres, chez les mêmes chiens. Et ça, et ça a commencé à se démultiplier. Mmh. Donc ça, c'est un, un premier truc. Attention, je ne parle pas de tous les maîtres de berges australien, non, bien non, sûr, bah non, 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 bien sûr. Mais il y a tellement de berges australiens maintenant qu'il y a en fait, aussi beaucoup de maîtres. C'est du volume. Et ça vrai, fait du volume. Ouais, ouais. Bon, ensuite, on met pas assez en avant le fait que le berger australien est un, de base un vrai chien de travail. Ouais. Donc, avec un vrai petit caractère avec euh, une vraie petite capacité à travailler devant des animaux qui sont bien souvent bien plus gros que lui. Oui. Et donc... On euh, va pas être impressionné par... Euh, oh non, euh, euh, ce pas le chien euh, du voisin qui ouais. va l'impressionner. Ouais, ouais. euh, les humains se pareil tu sais, il est... Et puis habitué aussi à travailler en communion mmh. avec son propriétaire. Mais aujourd'hui, dans des vies bah, qui sont pas celles-là. Et donc, pour arriver à faire cette transition, il faut pas rater certaines choses. Mmh. Et... Je, je crois qu'il est, il est, il est victime des tendances de l'éducation canine, plus même, au-delà même des maîtres, au-delà même de, de, de lui-même et de ses particularités, ouais. il est victime de tendances. Et, et puis, il a été aussi euh, mis en avant parce qu'on a rendu beaucoup plus moche les autres races. Euh, on a pointé du doigt les Molosses, oui. on a pointé du doigt oui. les Malinois, oui, oui, on clair, a ouais, pointé ouais. du doigt les Bordeurs. Bien sûr, ouais, ouais. Et lui... Bah forcément, quand tu pointes oui. des doigts, hop, des hop là, il, un peu naturellement. Et il est ressorti, tu vois. Mm -hmm. Et en fait, c'est l'ensemble de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, ah, moi j'aimerais dire aux propriétaires de bergers australiens non, il ne doit pas aboyer tout le temps, non, il ne il, il il doit pas, pas être surexcité, euh, non, tout le temps, non, tout ça n'existe pas. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que il est futé, Mais le est gamin, vrai. parce qu'il est habitué à travailler en communion. Ce qui fait que tu sais. Pff, se mentir, tu vois, tu as des chiens, même qui au départ travaillaient avec un, un maître, d'accord, qui ne le font plus depuis des années maintenant et qui sont moins sensibles à si tu me dis un truc, l'autre dit autre chose. Bon, c'est pas grave, on va aller au gré du vent. Oui, oui. Et lui, il est futé le con. Ce qui fait il va plus, prendre ce qui l'arrange ouais. ouais. Et alors, après, ce qui va l'arranger, c'est ce qui t'arrange pas, ouais, généralement, ouais. mais ni ouais. à l'un ni à l'autre à ouais, la fin, ouais, ouais, ouais. c'est ce qui va l'arranger lui ouais. et c'est comme ça que tu dérives, et après tu retrouves beaucoup de propriétaires qui ont attendu six mois, un oui. an, un an et demi là le problème il est là, mm. il est installé il fait dodo tranquille le problème et après on fait comment pour le régler mm. et sauf que là, quand tu es, es en face de ce type de chien, et ben bah, des fois, c'est pas évident mm. de le régler, et c'est pas évident de le régler avec de la gentillesse mm. et moi ça qui me fait chier, ouais. et je me dis putain ne déconnez pas ne déconnez pas, et ben, culpabiliser, c'est chelou hein, parce qu'on dit souvent non, il faut pas que vous culpabilisez. Ouais, 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 bah ben, ouais. si, faites-le là. Ouais, ouais. Faites-le parce que votre responsabilité est directement engagée. Mmh. Euh, je parle dans un ensemble sur cette race là, d'accord Évidemment, pas tous les proprios encore une fois. Hein, non, mais, mais je pense que ceux qui ne se sentent pas touchés par ce que tu dis, forcément se disent oui, il a raison parce que tous ceux que je vois à côté qui pourtant ont la même race que moi, euh, c'est le cas. Regarde, quoi, tu vois. À chaque fois qu'on a eu des Malinois, d'accord ouais. À chaque fois qu'on a les propriétaires et que tout se passe bien, et que c'est nickel, c'est les premiers à nous dire « Ah ouais, les autres propriétaires nous montrent du doigt, parce qu'ils disent que j'ai pas un vrai malinois, vrai. parce que moi j'ai un malinois qui est normal, quoi enfin, qui tu sais, qu euh, bah, voilà. qu peut ouais. vivre normalement, ouais. et les autres non. Ouais. » Et donc ils me montrent, ouais. t'imagines ouais, un vrai, petit peu, vrai, maintenant vrai. on monte du doigt même les dans gens. Les bien. Groupes, dans les groupes, sont beaucoup dans les groupes. Et en fait, c'est pareil, je voudrais que vous culpabilisiez, mais dans le bon sens. Le bon sens c'est quoi C'est de dire hey, « Eh, zen, zen !» C'est pas votre métier, c'est pas mmh. grave, c'est peut-être votre premier chien. Il, il peut être tout à fait heureux. On peut changer des choses. Cool, ça fait rien. Mais si vous vous le dites, peut-être qu'un jour ça va aussi faire évoluer, ça va aussi changer. Ouais, c'est juste une prise de recul qui ouais. est nécessaire. C'est justement, euh, bon, c'est le numéro un. Donc forcément, ça veut dire que plein de familles, dont c'est le premier chien, oui. qui veulent un premier chien qu'on n'a oui. jamais eu, prennent un berger australien. Oui. Est-ce que ça peut être un premier chien Ça peut tout à fait être un premier chien du moment qu'on te dit. Qui c'est Oui. Les erreurs à pas commettre. Ce qu'il va falloir mettre en place, et euh, il va lui falloir une ligne directrice. Mmh. En fait, en gros, si tu pars sur un... Mo moi, moi par exemple, dans, dans ce qui me rend la vie le, la plus compliquée, c'est quelqu'un qui voit un éducateur, un club, ensuite il t'appelle, mais il a aussi vu une formation en ligne, mais il a aussi machin... Ouais, plus d'Internet, plus tout ça. Si tu fais ça avec un berger australien, ouais. tu condamnes sa vie, tu condamnes ta vie. Et je peux même plus t'aider. Parce qu'il y a plein de, de trucs. Parce que lui, il va piocher, ouais. il va réfléchir et il va dire Ok, au gré du vent, tu changes ta façon de voir les choses. Très bien. Soit tu es capable de t'y tenir sur six mois et mmh. tu es carré, soit tu es baisé. C'est vrai, ouais, ouais. Et les gens, et je peux l'entendre, tu vois, tu leur donnes un conseil ils vont le faire une journée, deux journées, mais après, la vie reprend son cours. Et quand la vie reprend son cours, tu fais des erreurs mmh. et tu refais les mêmes erreurs. Sauf que, souvent, c'est vrai en plus, hein certains propriétaires de berges australiens ne sont pas capables de dire « Ben ouais, c'est nous qui faisons une erreur. Regarde, on devait faire tout ça, on l'a jamais fait. » Et ils vont mettre la faute sur les autres. Et quand ils mettent la faute sur les autres, ça les déculpabilise encore un petit peu plus, tu vois. Ah, c'est dommage. C'est comme, de façon plus générale, quand ton chien est casse-couille. Casse-couille, même avec amour. Moi, dans ma bouche, ça veut pas du tout dire « c'est pas Mais tu le sais. Oui. C'est pas... Casse-couille, tu vois. Eh ben si t'arrives à te le dire déjà c'est un je sais pas moi c'est un peu plus facile genre euh, regarde euh, moi par exemple laika très calme très euh, patate posée etc mmh. bon je sais que si tu sors avec on va pas faire euh, tu vois tu peux l'amener dans n'importe quel foyer euh, bon bah ben une fois que tu lui as dit où dormir euh, tu fini. vois c'est ah bon il ouais, y en a d'autres ah ouais. oh putain rose, jamais je le débarque ouais ouais, ouais. mais non ouais, ouais, ouais. mais non ouais, ouais, bien sûr un amour mais si tu te le dis mais Ouais. Malinois. Si tu te sens pas jugé, enfin si toi tu. Je m'en bats les couilles en fait. Et en fait, non, mais... personne forcément en plus te juge, mais toi, c'est souvent les mecs qui se disent, oh, on va me juger, et du coup, qui, non, non, qui minimisent les choses et tout ça. Ouais. Allô, écoute, lui, je vais peut-être pas le prendre, ouais. parce que vraiment, il est casse-couille. Ouais. Tu, tu le connais, hein. ouais. c'est la tornade, ouais. mais très, euh, très, très naturellement, très facilement. Mmh. Et la notion d'amour, il euh, n'y a pas de haine, il n'y a, a pas de méchanceté. Si tu arrives à te dire les choses normalement, en fait, ouais. voilà. Oh bah c'est bon, ça roule. Ouais, ouais, ouais. Et on va pas se rendre fou, on va pas faire des plans sur la comète trois plombes. Certains propriétaires de Berge-Australien n'y arrivent pas. Ouais. C'est con, parce qu'en fait ça coûte à leur chien. Tu sais, un chien qui aboie toute la journée par exemple, bah c'est un chien, chien... un chien... qui va crever. Ouais. Plus vite que les autres. Ouais. Alors je ne leur souhaite pas, bien, bien, sûr, sûr, bien hein. sûr. Mais, Mais il, il est en il est en Il n'est pas heureux. Oui, tu, oui tu, il n'est il pas normal. Il est pas détendu. Il n'est pas détendu, Il n'est pas il aboie pas. Bon. Mais c'est comme je sais pas, t'as un chien tu qui... Parles est... pas, on parle pas de aboyer. Attention, on parle pas d'aboyer. Le facteur il passe ou la... Euh, Jamais de la vie. Euh, on parle de... Je parle d'un aboiement. Genre, il, il serait là et il aboie. Il aboie. Un Chien aboyeur, vraiment. Non, parce que on différencie. J'aboie pour alerter d'une situation. Oui. Quelqu'un qui passe, quelqu'un qui sonne. Euh, non, ça va il y a un problème. S'en fout. C'est pas de l'aboiement intempestif. Et Après, t'as l'aboiement intempestif. Ouais. C'est bon, tiens, il aboie 5 heures. Ouais. Bon, il est pas bien. Ouais. Mais tout comme pour moi, un chien qui détruit chez lui. Oui, oui. Bon bah c'est un chien qui. Essaye de te faire montrer un mal être. Et il te et un communique, mal. Il ne quoi. Ouais, ouais. Ok, il faut le régler. Ouais. Tu, tu comprends ce que je veux dire Il faut le régler. Ouais. Euh, et et c'est comme ça pour tous les troubles. Enfin, en tout cas, pour tous les, toutes les problématiques que tu peux vivre. Mais euh, pas plus que, je sais pas, moi, quelqu'un, euh, un enfant qui veut pas dormir parce qu'il fait noir. Oui. Bah, l'objectif, c'est de dire, ok, j'ai compris. Il y, y a un problème là maintenant. Et on va essayer de le régler. Oui, tu vas va pas aller. On va tu essayer vas pas de... le laisser jusqu'à 155 ans. Le, euh, la lumière, avec, je euh... sais pas quoi. Oui, oui, Il faut lui faire comprendre que le noir a pas de souci. C'est pareil. Du coup, l'aboiement. Si tu je sais pas, tu prends un collier anti-aboiement, par exemple, oui. une ou une autre façon de faire qu'il l'aboie plus. En fait, il, tu l'empêches de communiquer avec toi. C'est une bêtise. Hey. Donc moi, il je. Faut suis... comprendre pourquoi il aboie en fait. Je ne suis pas du tout pour, pour stopper amuser. les aboiements. Oui. Non, non, pas du tout. C'est pourquoi tu aboies. Mmh. Sauf que le point de départ, la naissance, il aboie pas. Oui. Si tu fais les choses bien, il aboie pas. C'est vrai. Tu vas rater des choses. Parce que, justement, c'est du haut niveau. Oui. C'est du haut niveau. Ouais, Donc, ça, Donc là, j'en veux pas aux gens. Ouais, ouais, ouais. Parce que je, je, je conçois que ah oh, tu t'en rends pas compte. Par contre, au moment où il aboie, il a 4 mois, il a 6 mois, mmh. il a 8 mois, on s'en fout, d'accord La seule chose où je t'en veux, c'est de pas être capable de dire « Ah ouais, c'est ma faute. » Ou en tout cas, déjà, il a un problème. Putain ouais. Il a un problème, c'est ta faute, égoïde. il est pané comme ça. Ouais. Bon mais c'est pas grave de dire c'est de ma faute. C'est pas grave. C'est pas ton taf. Non. On s'en fout. Ah ouais. Et je te le dis, il est technique. Donc, ça veut dire que sur 9, chiens, 9, 9 autres chiens sur 10, ça aurait posé aucun problème ouais. ce que tu as fait. Sur lui, ça en pose. Ouais. Bon. Ouais. Des choses qui peuvent arriver. C'est pas grave. Si tu te le dis, déjà, on vit mieux. Et ensuite, si tu te dis non, il y a un vrai souci. On a fait des erreurs. Je n'ai pas trop compris quoi, mais on a fait des erreurs parce qu'il est comme ça. Maintenant, il faut régler le problème. Mmh. Pour régler le problème, une fois qu'il est déjà installé, bon bah, comme tu le dis, il n'y a que deux voies. Soit tu annules. Bon bah là tu le règles le problème, un collier anti aboiement, mmh. il prend trois décharges quand il aboie, il, il arrête d'aboyer, mais il est toujours anxieux. Bah, pas embêtant. Ou alors, tu cherches à comprendre. Ouais. Il faut le faire le plus vite possible pour ouais. pas laisser les choses s'installer. Ouais. Et ensuite, une fois que tu as déterminé pourquoi il faisait ça, il faut que tu sois en mesure de tenir ce que tu vas vouloir mettre en place sur un protocole qui peut aller de une semaine à six mois ouais. sans jamais commettre d'erreur. Si tu y arrives, c'est réglé. Le problème. Si tu n'y arrives pas, tu le renforces. Parce que tu vas tenter des choses mmh. que tu ne vas pas tenir. Mmh. C'est fini. Mmh. Et là, arrivé à 3 ans, 4 ans, 5 ans, une fois que tu as fait tout ça et que tu as commis toutes ces erreurs, eh bien, ta marge de manœuvre se resserre. Ta capacité de le faire changer intelligemment, ça menuise, mmh. se réduit. Mmh. La, la durée de travail augmente, augmente encore forcément. et encore ouais, et sûr. encore. Euh... Et à la fin... Voilà pourquoi énormément de bergers australiens finissent au collier anti-aboiement, ouais. finissent au collier ELEC. Ouais. Et en fin de cycle, ça me fait chier, mais je peux même pas te dire euh, « ouais, c'est mal ouais, ». Est-ce qu'il y avait autre enfin Malheureusement, c'est Oui, mais si déjà tu n'arrives pas sur trois mois, par exemple, ou deux mois, à tenir un protocole, mm. comment je vais pouvoir te le faire tenir sur un an ouais. Je ne peux pas, je le sais. Ou alors, il faut que je vienne avec toi. Ouais. Et bien... Bah, Ouais. Ça, ça fait chier, mais ouais, ouais, j'essaye je, vraiment d'être le plus euh, sincère non, non, mais, possible. Dans le sens où ça fait chier, il pourrait ne pas l'avoir. Mais si les gens, oui, mais si tous les et... protocoles qu'on met en place, ça ne suit pas, bah, c'est la solution la plus facile qui va mais... être prise derrière, la plus rapide. C'est comme un chien agressif, hein. il ouais. est agressif humain, on travaille, euh, au bout d'une semaine, il repart, il est nickel. Mm. Sauf que si tu suis, si tu suis ce qu'on a fait à la lettre, d'accord, pendant, je sais pas, 6 mois, c'est fini. Plus jamais tu as de problème, d'accord Sauf si tu repars à avant d'être venu bah avec oui. les mêmes erreurs que tu faisais. Évidemment. Mais ça, c'est ouais. que du bon sens. Hein. Ah ouais, pas non non, 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 tu mais perds mais 10 kilos parce que tu bouffes plus de chips. Tu non te remets à manger des chips. De tu reprends là, 10 kilos, ce pas la faute du nutritionniste. Bien non, sûr. non, mais bien sûr, bien un sûr, peu de bon bien sens. Sûr, bien sûr. Bon, et eh ben là, c'est la même chose. Sauf que, sur de l'agressivité, ça peut paraître bizarre, mais tu peux beaucoup plus rapidement changer la perception d'un problème d'agressivité ouais que d'un trouble de comportement qui serait lié à l'éducation pure et dure, comme par exemple l'aboiement, la destruction ou la solitude. Pourquoi Parce que tu es piégé sur ces problématiques-là, parfois par l'absence. Mm. Quand il est seul, il est seul. <laughs> C'est-à-dire que tu pas là. Ouais, ouais. Et ben bah donc pour intervenir quand tu pas là, c'est plus difficile. Alors que sur un chien qui est agressif, bon bah, tu le prends, tu es là, tu es là. Mm. Euh, ou le maître est là, il mm. est là. Il est pas agressif quand il n'y a pas du vin, par exemple. Mm. d'accord Et donc ça, c'est une première problématique. Sur l'aboiement, tu as une deuxième problématique. c'est hormis la prise de conscience et tout ce qui va avec, c'est l'entourage, mmh. les gens autour. Parce que toi, ton chien, tu vas chez des amis, ton chien aboie. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu es capable d'avoir les bons comportements alors que tu es sous pression, sous mmh. stress bah, Du regard des gens, forcément, tu vois. Est-ce que tu es capable de te dire ⁇ Non, je ne le prends pas mmh. ?⁇ Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas prêt il n'est pas prêt encore à vivre telle ou telle situation et c'est peut-être mieux que ces situations-là je les vive d'abord en recevant des gens chez moi parce que je peux mettre en place tout un protocole pour mettre le plus de chance de mon côté que ça se passe bien alors que si je me déplace je joue à l'extérieur bien sûr bien sûr, plus... bien sûr mais je parle vraiment de stratégie là hein. je ne juge pas tu vois mm -hmm. est-ce que tu es capable non parce que si je le prends pas je l'aime plus Ouah tiens on le déteste euh... ouah machin mais non Enfin, mais non. Moi, dans ma tête, mais non. Oui. Ma, ma... Et... Et personne ne, ne, ne doit penser comme ça. C'est-à-dire que si quelqu'un pense ça, vire le de ton entourage. Ouais, ouais, ouais. Vire le de ton, ton, ton entourage, tu vois. Mais euh, c'est vrai que je pense que certains propriétaires de certaines races mmh. ont, ont eu parce que la, la, ont eu une vie plus difficile, même d'histoire de la race, d'accord. Mmh. Et donc maintenant sont un peu plus exigeants aussi mmh. avec eux-mêmes, d'accord. Mais regarde. Admettons je sais pas euh, T'as un chien qui est bagarreur avec les autres chiens Admettons d'accord c'est pas le cas Mais admettons n'en ah, auras rien. Si tu viens chez quelqu'un qui a un chien oui. Et tu sais qu'entre les deux c'est la merde oui. Et eh bah ben, Si c'est toi qui te déplaces le bon sens veut qu'on se dise Vous vous voyez très souvent Et donc il faut régler le problème ou pas Est-ce qu'on peut régler le problème Est-ce qu'il y a une disponibilité Des deux personnes mmh. à travailler suffisamment longtemps Pour que ça se passe bien Si c'est oui génial je préfère Génial, je sors le champagne, c'est magnifique. Dans la vraie vie, 9 fois sur 10, c'est non. Mm. Parce que c'est des gens que tu vois euh, deux fois par an, parce qu'il faut, il faut se déplacer, parce que machin. Bref, il y a plein de choses qui font, qui font ça, d'accord Est-ce que le bon sens ne veut pas que là, tout d'un coup, toi qui vas te déplacer, donc c'est toi qui te déplaces, mm. très euh, spontanément, tu dises, je ne le prends pas bah, évidemment, oui. Mais, enfin, mais, c est, c est mais, mais sans qu'on te ça. le demande. Non, oui, oui. Tu sais, parce que c'est délicat. Moi, oui, je ne viens pas sans ton euh, Allô, tu ouais, peux mais, venir. Non, non. non. Bien même, mais, ça ne devrait on... pas même pas être délicat non. en réalité. Mais ça n'est bon pas après en fait de la relation que tu toi. mais là, oui, oui. je ne viens pas avec. Non, mais c'est évident. C'est du bon sens. Bien sûr, bien sûr. Que tu dis, bon, je ne viens pas avec. Et que dans ta tête, tu n'as aucune arrière-pensée mauvaise. Si tu arrives à faire ça, c'est facile. Ce n'est jamais le cas sur un propriétaire de berger australien. Ouais, 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 ouais. Alors que sur un propriétaire de plein d'autres races. Oui, ça pose, oui, tu te poses même pas la question. Euh, tu te poses Et pas la question. Vrai, vrai. Euh... Et il est sous-évalué. Voilà, je je euh, pense qu'il a un potentiel. C'est un chien qui a des grosses qualités, mais dont on parle pas vraiment au final, non. je trouve. Non, parce qu'on on veut le transformer en Labrador. Ouais, en chien de. F... Je veux ouais. dire chien de famille, c'est une connerie, non. Parce que c'est un chien de famille aussi. Mais... Chien de canap. Euh, ouais, chien de patapouf. Chien de. Bon, enfin, allez. Le Labrador n'est pas un, mais, mais... c'est l'image qu'il a eue pendant des le années. Le Labrador, il s'est adapté. Ouais. C'est adapté à ah, tiens, tu sors 45 minutes et après tu rentres à la maison, tu dors et tu nous casses pas les couilles. Il s'est adapté. Est-ce que le berger australien, c'est pas un chien de club Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire ah. que qui, euh, qui ne... les, les maîtres les emmènent beaucoup au club, donc ça peut être cool, tant mieux. Mais. Son gros défaut. Et on ne fait pas grand-chose avec lui à côté. En vérité, d'accord. Ouais. Si tu regardes un petit peu. c'est pas une vérité absolue, mais dans son ensemble, c'est un, ensemble, un ouais. peu ça. Tous les chiens, logotés. Ouais. Très fort en obéissance. Ouais. Bon, finissent berger, souvent berger. en club ouais. et finissent souvent massacrés. Ouais. Parce que technique pas adaptée, dressage, euh, même, ouais, même ouais. pas dur, hein, mais euh, dressage, dressage répétition, dressage, à répétition. Dressage, et on en oublie le comportement. Ouais, ouais. Ouais. Et on en oublie que, parce qu'on a toujours envie, tu sais, t'as un berger australien, t'es presque obligé qu'il soit parfait. En obéissance. En vrai, c'est vrai. Hein. T'as cette pression. Ouais, c'est vrai que t'as cette pression. Hein. Putain, et en fait, en te lançant là-dedans. Ouais. Ben, t'oublies le comportement, hmm. t'oublies l'attitude, ouais, t'oublies de... la personnalité. Qui tu dois chien, être, toi, ouais, ouais. en termes de personnalité. Bah Et oui. je ne parle pas d'obéissance là. Non 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 non. Ouais. Et t'oublies quand même la règle de base. Et moi j'ai mis des années à, à m'en rappeler. Donc euh, vraiment, bah, ouais. si ton chien n'a pas de soucis tu n'as pas besoin d'obéissance. L'obéissance est un facilitateur de vie. Enfin, euh, je ne peux pas ouais, vous le dire ouais, autrement. Ouais. Mais si ton chien Fugue pas. Euh, pars pas me chercher des lapins à, pas à après 700 les km. pars pas après les coureurs. Et gentil chien, le gentil humain. Ouais, ouais, enfin euh, ouais, bref, pas tout ouais, le bazar, pas quoi, d'accord ouais. euh, La solitude, il n'en a rien à foutre. Il détruit rien. Si ton chien n'a pas, pas de problème là-dessus. L'obéissance, c'est 5%. Allez, il le serait... rappel au cas où, et voilà. Il n'est même pas capable de faire un ainsi, c'est pas grave. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça qu'il faut se dire. Ouais, ouais. Et c'est vrai que sur toutes les races logotées, typées obéissance », Ouais. On plonge de tout petit là-dessus. Coup les chiens de berger. Malheureusement pour eux. ça quand même. Hein ben oui. Malinois, border, berger australien. Malheureusement pour eux. Ouais. Et on oublie. Hein, on oublie le plus important. Ouais. La façon d'être. Ouais. ouais. L'esprit. La vie. Le Et vie, attention. Vivre. Moi je suis pour l'obéissance. Bien sûr. Hein. Une obéissance qui facilite la vie. T'es là, ton chien vient, tu sais pas quoi en faire, parce que tu voudrais qu'il aille ailleurs euh, que près de Tata ou parce qu'il y a un invité. Le petit au panier qui va bien. Très bien, génial. Parce que sinon, mmh. qu'est-ce que tu fais mmh. T'as pas de mots. Mais ça s'appelle un facilitateur de vie. Par contre, si tu me laisses le choix entre un chien, un peu, bord... un peu comme Bordeaux. si, comme ça, ouais, ouais. tu vois ce que je veux dire Avec un très bon au panier ou un chien gentil comme tout. Mais alors, il est pénible tellement il aime tout le monde et il leur saute dessus pour les bisous. Par contre, le haut panier, il l'a pas. Oh moi, je prends direct celui qui a pas le panier. Hein. Oui. Celui qui est gentil. Oh parce que je m'en bats les couilles. Oui, parce que oui, comme ça, ça je vous dis, je m'occupe jamais de toi. Oui, je m'en fous. T'es gentil. De qu'est-ce que tu veux Bon, de l'amour. Bon, tu sais pas comment le montrer. Ah c'est pas grave. On n'en a rien à foutre. Non mais le, le panier, le de... haut panier, c'est une bonne. Parce que c'est un bon exemple parce que tu peux aussi très naturellement arriver à ce que ton chien aille se coucher quand tu manges. Sans lui demander, ça veut dire que tu mets même plus d'obéissance. Là où tu mets de l'obéissance, c'est parce qu'il est là et qu'il est relou. Parce que si même s'il est là. Ton chat, il est là. Et ne monte pas sur la table et qui, et ne vient pas te pousser. Rien à foutre. Euh, oh. Personne ne demande au panier. Euh, en vrai, je t'en fous. Le panier, c'est quand il est là, qu'il fait chier et ouais, voilà. Et là, en fait, pareil, tu as plusieurs voies. Ouais. Tu as la voie de quand je mange, c'est au panier. Ouais. Tu vas te mettre dans de l'obéissance. Ouais. Tu vas te mettre dans la merde. Hein. Ouais. Si tu fais que ça. Encore une fois, c'est le que qui est sûr, bien important. Sûr, bien sûr, bien sûr. Maintenant, si tu fais le... un accord, c'est un contrat que vous signez, mais ouais, un ouais. contrat moral. De tu vas manger, d'accord Viens, Tiens, ouais. c'est fini. Et tu m'emmerdes plus, oui. Vu que j'ai eu quelque chose. Donc, déjà, ça m'enlève un peu de pression de je vais pas avoir. Bon, ensuite, j'ai compris que quand c'est fini, je n'ai plus jamais rien. Et en fin de repas, par exemple, je ne sais pas, de temps en temps, pas oui, tout le oui, temps. Oui, oui. Tiens, allez, hop, tu n'as rien demandé. Mais par contre, tu le donnes que quand c'est dans le panier. Ouais, ouais. Eh bah, Je peux t'assurer. Enfin, moi, si pas je passe avec Léca, je pourrais vous le filmer ouais, si ouais. vous voulez. Euh, le petit déj. Moi, c'est le petit déj. Il y a un truc en place, j'ai décidé de déjeuner avec elle. Et je m'installe, je prends un petit gâteau. Je le coupe, elle a trois bouts, ouais. plus un petit bout de pain au chocolat que Jess, elle mange. Okay. Et je mets des mots dessus parce qu'en fait, je suis dans un délire en ce moment. Je lui ai appris, euh, il est où le pain au chocolat à maman Et en fait, je veux lui faire faire de la recherche avec ça. Ça me Pour, sert trouver de... que... Pour trouver des pains au chocolat, ça peut être Ouh. bien. Mais, mais voilà. <laughs> un, deux, trois. Elle attend son pain au chocolat à maman. Donc là, je le sors. Pain au chocolat à maman. Pam, je le mets dans la bouche. <laughs> elle sait qu'à partir de ce moment-là, elle n'aura plus rien. Ouais. Ça n'est jamais arrivé, ouais, ça ouais, n'arrivera ouais. jamais. Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle fait Elle se barre très naturellement. Elle se barre. Oui. Et quand elle se barre naturellement, où est-ce qu'elle va Dans son panier, parce que c'est le plus confort. Oui. Bon, bah elle va dans son panier, elle dort. Et puis, bah fin de l'histoire, elle se ouais, pose ouais, jamais ouais, la question. Vrai, ouais. Mais vraiment, n'oubliez pas ça. Oui, c'est des chiens. Les berges australiens, on met beaucoup d'obéissance dessus. Quoi. Et beaucoup trop de pression. Ouais. Hein. Et, ouais, et la pression euh, de sociale. ton chien doit être parfaite. La pression sociale. Oh. Ouais, ah, ça L'enfer. L'enfer. Et ouais. tout ça réuni fait que ce chien, qui a un potentiel incroyable, une gueule d'amour une gentillesse, et c'est un... C'est pas un vrai chien de famille, parce que tous les chiens sont des chiens de famille. Bien sûr. Mais en tout cas, il peut rendre heureux de M ouf, tu vois. Et vous pouvez l'aimer. Et ça peut être un premier chien. Moi, je suis une gra... Moi, je déteste ceux qui me disent ça. Ça peut pas être un premier chien. Ça veut mmh. dire qu'il y a des chiens brouillons, Brouillon, et vrai. des chiens que tu peux prendre. C'est fou, vrai. tu vois. Mais, force est de constater que, putain, c'est de plus en plus dur. Là, aujourd'hui, ce qui le sauve, d'accord, c'est que les, les propriétaires de ces chiens-là sont, la plupart du temps, des gens qui sont pas dans la catégorie. Je ne sais pas encore trop pourquoi, il faudrait pousser un peu l'analyse, de l'abandon. C'est vrai. Alors, soit parce qu'ils sont tellement gentils pour la plupart et amoureux, oui. qu'en fait, bah, ils ont toutes les erreurs qu'ils commettent, mais ils n'ont pas celle-là. Ouais. Tu vois le, ouais, ouais, le ouais, C'est vrai, vrai, Mais c'est la seule chose qu le qui le sauve du refuge. Ça n'a pas sauvé le Malinois quand il était premier il y a quelques années, euh, pendant des années. Hein. Ouais. Et moi, ma crainte, c'est toujours de me dire, parce que, par exemple, il y a 15 ans en arrière, ouais. tu voyais pas de berger australien agressif humain ouais. Ou vraiment, tu sais, tu es. Ouais, ouais, ouais. Là, aujourd'hui, on ouais, en en voit de plus en plus. A, en en plus. A, en mais c'est des gens bien. Ouais. C'est pas des méchants, encore une fois. Hein. Tu vois non, ce que je veux dire euh, Mais mauvais euh, conseils, mais, ouais. mauvaise orientation. Sauf que tu le payes cash. Et un peu moins de prise de recul. Putain. Un peu de pression, et voilà, t'as tout. Quoi. Et ça fait chier. Ouais, 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 ouais. Ça fait chier. Et, ouais. et, et, et c'est vrai que. Il est numéro un, ça, ça lui pend au nez, on va dire. Ça lui pend au nez. C'est à côté. Ouais, ça lui hein. au nez. C'est quoi la plus grande qualité pour toi de ce chien Une. Une, une oui, seule. Que je sais que tu vas dire 4-5. Oui. Mais une. Une, une pour seule. Toi, hein, tienne, pas pas, euh, voilà, ah. Pour toi, c'est la tienne, ce pomme pas. Voilà, pour toi. Avec la rencontre que, que moi j'ai ouais. eu ce serait l'empathie, tu vois. Ok, ouais. Euh, j'ai l'impression que quand ils te regardent, il se passe quelque chose, ouais. tu vois. Après, moi je le trouve assez, euh, assez vif, quand même, de, ouais, la vivacité de, de, de tout quoi. ce qui se passe, tu ouais. vois. Donc euh, j'aime bien, tu vois. C'est bah, c'est un peu pétillant, ouais. tu vois. Mais je dis ça de beaucoup de chiens de berger, tu vois. Oui, oui, c'est vrai, oui. Après, moi j'ai toujours un, un truc supplémentaire pour tous les chiens qui vont mal finir. Ouais. Je les aime plus que les autres ouais, ouais. en général, tu vois. mais sans, mais pas parce que je l'aime plus cette race-là, parce que je parce sais qu'elle que va sais mal finir. Que, euh, ou en le, tout cas, ça me fait de la fait peine. Loin, ouais. Ah, ça me fait ouais. de la peine, tu vois. Et et son défaut, le le truc qui toi fait que oh ça, ça fait chier sur ce chien. Il est un peu futé. Euh, ouais, c'est le même en fait. Ça, est même bah, est, ouais, ouais. Il est un peu futé, ce qui fait que il vous fait payer cash. Ah, les erreurs. Et ouais. des fois, c'est des c'est des détails, hein, mmh. ou c'est des choses gentilles, mmh. ou c'est des petites erreurs. Et putain, je rêverais. Je rêverais que les propriétaires ultra gentils, ultra machin, compris conseil à mille, mille endroits différents, écoutent écoute le podcast en se disant, écoute, c'est vrai, quand même. Alors, on, si on est objectif, bah, c'est mmh. un peu vrai. Mmh. Il a ses défauts là, on l'aime et ça, ça ne change rien. Non, en fait. non, change Vraiment, rien. je veux vous enlever ce côté-là. Ouais, ouais. Mais bon, c'est vrai que ah, il a ça ouais. et il a si. Et c'est un peu ouais, pénible. C'est pénible ça, pour euh... nous les humains, mmh. mais c'est pénible, pénible pour aussi lui. pour lui. Ouais, ouais. Et puis bon. Hey, les deux trois conneries qu'il nous a fait, bah, des fois c'est de sa faute. Mmh. C'est enfin, je sais pas moi, quand je casse un truc, euh, quelle que soit la raison, je suis stressé, énervé, j'ai pas fait gaffe, j'ai pris neuf cafés, j'ai la tremblotte, j'en sais rien, je m'en mmh. fous, tu vois. Mais bon, c'est ma faute, oui. moi qui l'ai cassé, tu vois. Oui. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des parfois, il y a des propriétaires de chiens, quand leur chien fait une connerie, c'est jamais lui, ouais, c'est jamais toujours une petite excuse, ouais. non, c'est pas lui, c'est parce que tu oui, te comprends, là, machin. machin, Mais... Je, je pense qu'on vivrait plus heureux, plus tranquille et que les chiens seraient plus heureux si on était très spontanément capable de dire C'est pas, pas parce que c'est ta faute que t'es forcément coupable d'avoir fait euh, ou un acte ma... grave. Bien sûr, hein, non, mais bien sûr. Mais c'est juste que. C'est de ta faute. C'est si, bon, si mon chien, il mange une porte, ouais. bah c'est lui qui l'a mangé. C'est-à-dire, euh, j'ai pas mangé la porte. Non. Alors après, est-ce que c'est de ma faute de l'avoir enfermé Est-ce que je lui ai pas appris à être calme quand il est là mm -hmm. Est-ce que je lui ai pas appris. Parce que tout... ça, ça revient toujours un peu à toi bien quand même. C'est toi. Oui. Mais. On peut chercher plein de plein de choses. Est-ce que dans mon quotidien, vu que ça n'est jamais arrivé cette situation, bon bah peut-être que c'est parce que ce n'est jamais arrivé qu'il est comme ça. Ouais, ouais. Et donc on peut trouver des circonstances. Mais qui l'a mangé Oui. Et bah, c'est tout. Oui, oui, et je pense oui. que on, on peut en sourire. Oui, ouais, mais il y a une, un oiseau nous. qui est passé à côté. Non. Regarde-nous oui, regarde euh, ouais. à des quand, quand on va se faire des bouffes, tu vois, et qu'on raconte un peu les conneries que nos chiens ont fait dans la semaine. Ouais, tu sais, des fois on se fait une bouffe. Ah tiens, regarde, il m'en a fait une belle. Il ouais, m'en ah, ouais, ouais. a fait une belle. En fait, on raconte ça. On, limite, on gens content contents de le raconter. Oui. Genre en mode, c'est drôle, tu vois. Et mais parce que c'est bon, pas, pas des gros trucs. Eh on bouffé euh, la porte, effectivement. Et ouais. parce qu'on a toujours conscience que s'il y a une, une, une bêtise qui a été faite, on, on sait bon pourquoi, comment. Oui, oui. Mais surtout, on y trouve aussi un peu de charme parce que n'oubliez pas que et tu oui. veux un robot, on peut le faire. Oui, oui. Mais si tu, mais ça repasse par le côté obéissance et que, pression de d'avoir un chien qui est comme ça, quoi. Et tu vas durcir. Ouais, parce oui. que si tu durcis pas, tu l'auras pas. Je parle d'un robot. Alors. Sauf, là encore une fois, sauf un chien sur mille, où es, tu tombes bien. Non mais, tu tombes bien, bon, bah lui, euh, tu, oui. tu que des bisous et puis il fait tout, tu vois. Oui, oui. Mais sinon, les autres, si tu veux un robot, je parle bien d'un robot, tu vas durcir à un moment donné. Tu vas le cogner à un moment ah, donné. Ouais. Mais c'est obligatoire... Mais parce que si, un robot, ça veut dire quoi Ça veut ah, dire que tu n'as plus d'envie. Il n'y a ouais. plus d'envie. Mm -hmm. Et oui, il a plus d'instinct. Non. Ah ben non, parce que s'il a des instincts, c'est qu'il a des envies. Ouais, ouais, et les deux, hein, les deux font, font mauvais... Euh, c'est pas bon d'avoir ces deux-là quand tu veux en même temps écouter. Bah oui. Ben forcément ouais. Et en plus quand tu vis dans le monde des humains, c'est encore moins bon eh oui, mais... parce que tes envies sont souvent pas celles des autres. Ouais. Bon, allez, eh, on sourit, c'est un chien formidable ouais. qui ne doit pas finir en refuge. Mais qui ne doit aussi ah, entre guillemets, gâcher la vie de gens oui, qui, qui ne s'y attendaient pas. pas. en refuge, Et puis qui doit pas être malheureux chez lui non plus. Ah. Euh, c'est quoi la du coup la première s'il y a une question à se poser avant de le prendre, avant de prendre le berger australien Une. Une ouais. Est-ce que tu as écouté ce podcast Ouais. Une bonne question de non mais ouais, ouais. alors pourquoi je dis ça parce que c'est que... vrai. Ouais. Je dis ça parce que c'est <laughs> très, pense très à rare. Tous les gens qui vont me ah, merde, je, je, je le viens de prendre. Non mais c'est très rare d'entendre une vérité. Ouais ouais ouais. Franchement. Je... Ah, on pourrait hein non c'est exceptionnel oui bisous tout ça. Non mais oui bon, c'est pas la même. Mais là, là. vous pas nous pas connaissez. Oui. Les chiens on les aime. Oui bien alors, sûr. On, on leur a dédié notre vie mm -hmm. donc. Et et alors maître aussi. Euh, et et, et les... je pars du principe que quand tu offres ta vie aux gens et aux chiens, oui. t'as le droit de dire tout ce que tu veux. Bah oui oui. Parce que. Parce que c'est pour euh, le bien de tout le monde. Et oui. Non mais bien sûr. Et en fait. Bien sûr. Ah je suis tellement malheureux mais mmh. mais pas plus que quand j'ai fini chez toi pour marler. Non mais oui. C'était oui, un il, Labrador. 7 ans. Ouais, ouais. Cliché Labrador. Ouais, ouais. Maître cliché Labrador. Tout à Donc, fait. Vraiment on en parle avec beaucoup ah, de décontraction. Ouais, ah j'ai aucun souci avec ça. Ouais. Mais sauf que bah putain quand t'arrives alors t'arrives tu jauges. Mmh. Mais la, le vrai jugement, le, ce qui ce qui ce qui fait basculer, ce qui vous fait basculer. À mes yeux, hein, oui, oui. d'un jugement à un autre. C'est ce qui se passe juste derrière la venue. Oui. C'est-à-dire que je viens, je pisse dans un violon, et je me rends compte que j'ai pissé dans un violon. Oui, bon, bah. et ben, bah, si je faisais le podcast avec quelqu'un d'autre, oui, oui. je tiendrais les mêmes propos pour toi. Oui, oui, bien sûr. Ouais, sûr c'est normal. Mais, mais c'est tout simple. Ah, ouais, mais tout comme tu parles avec un éducateur canin qui n'évolue jamais dans sa perception euh, du chien et des clients. Je parle dans une perception globale, pas oui, euh, pas technique. Oui, oui, non, mais bien pas sûr. Pas technique. Non, non. Juste dans de un dire, esprit, quoi. Il y a 15 ans. Mmh. La marche en je la voyais comme ça. Quinze mmh. ans plus tard, je la vois différemment. C'est pas la méthode que je remets en cause, c'est la vie. Oui, oui. Rythme de vie, -ce que rythme de adapté, vie des gens, oui, oui, est-ce que c'est adapté à Est -ce l'environnement Est-ce que ça a évolué, que ça a évolué en fonction de la population, sûr, des lieux mais si tu parles avec quelqu'un qui n'évolue pas, ouais. ça ne veut pas dire changer d'avis, hein. ça veut dire évoluer. Oui, oui, as... oui, oui. Comme quelqu'un qui dit Eh, hey, t'as changé Heureusement Oui, bah, du merci, mais merci, changé... Mais bien sûr que j'ai changé, bien vu que j'ai pris, pris un jour. Bah, oui. En rapport à hier, j'ai pris mais un jour. évolué, bien et sûr. Et dans la journée, bah, il s'est passé des choses. Bien sûr. Tu, tu vois le Donc, truc ils te font changer. Non, mais bien sûr, bon. on n'est pas les mêmes qu'il y a 15 ans, Dieu merci. Et bah, je pense que c'est là aussi la diff. Entre un bon et un mauvais éducateur, ouais. un bon et un mauvais club. Ouais. Tiens, on faisait il y a 20 ans ce qu'on fait aujourd'hui. Bon. Bah, dis-toi que 75% de ce qu'il faisait il y a 20 ans est toujours valable aujourd'hui. Non, mais c'est ça. Les 25% qui font ils toute la différence, très bah, voilà, c ils ça. deviennent très chiants, très et, dangereux parfois. Et le problème, c'est eux qui font la diff'. Bon, ah, ouais. et bah, là, c'est la même chose. Mmh. Je pourrais vous chanter une chanson euh, sur le berger australien euh, et les maîtres incroyables, etc. Et ouais. Surtout qu'en plus, c'est les premiers. Donc, ça veut dire que vous êtes très nombreux. Bien sûr. Et bah, bah, moi, je clair. vous dis, vous êtes la plupart du temps des gens formidables. Ouais. Vous n'êtes pas préparés à ce qui va se passer. Vous n'avez pas les bons conseils. Vous ne suivez pas les bonnes méthodes. Ouais. Et vous, euh, vous ne suivez pas des méthodes intelligentes la plupart du temps oui oui parce qu'encore une non mais oui tu vois me dit oui comment t'es pas mais si et moi super, il est nickel parce que... il y en a plein qui sont nickel oui oui non mais il y en a et puis on en mais... connaît il y en a qui sont nickel mais c'est mais... vrai que quand tu arrives avec la fournée de dérive ouais. ça fait beaucoup et surtout vu qu'il est numéro un ça fait une grosse dérive en fait c'est ça le problème c'est exactement ça c'est que et même s'il si y a fait... 20% de dérives bah ça fait des bah, gigantesques de de ah, ouais. en rapport au berger du Caucase ils sont non mais c'est ça en France bah forcément tu prends 20% de berger du Coca c'est 1,4 sur 14 non mais c'est ça sur euh, les australiens, australiennes peut-être 50. non mais oui non mais donc c'est le problème il n'y a aucune fatalité, ouais, ouais, surtout, ouais. faut juste bien s'orienter et pas rater le début. J'ai vu le berger australien, juste des idées reçues que j'ai vu. Euh, berger australien peut pas vivre en appartement. C'est faux. Voilà. C'est faux, archi faux, ouais. encore archi faux. Mm. Il peut parfaitement vivre en appartement. Il peut parfaitement euh, avoir une heure de balade par jour mm. et pas, et 7, pas heures. 7 heures. Ouais, non mais ouais. évidemment. Il est euh, obligé de faire du sport. Il n'est pas obligé ouais. de faire du sport, mais comme que, type agility tout ça, c'est euh... putain tous les autres sports. Mais sinon, alors, euh, foutez-moi des terrains d'agilité pour les tigres, oui pour les lions, pour les ours. J'en sais rien moi, tu vois. Mais non, personne. Le sport a été euh, créé par l'humain pour essayer de se rapprocher au plus près, d'accord, mmh. de patrons moteurs. L'a utilisé pour certaines races de chiens dans certaines activités pour lesquelles ils ont été conçus, créés. Par exemple, le chien de berger pour diriger le troupeau ou pour garder le troupeau sur les protecteurs de troupeau, mmh. etc., etc. D'accord. Bon, donc personne n'a ce besoin-là. Si tu veux faire du... Parce que la première dépense intellectuelle du chien, on avait fait une vidéo sur un meilleur ou pire, je crois, là-dessus. Oui. Euh, ça, ça va peut-être vous paraître con, mais le moment où il se dépense le plus, et vous ne pourrez jamais lui proposer ça en activité, c'est quand il se balade détaché, oui. et qu'il a le loisir de renifler. Oui. C est, c est... Oui, oui, oui. Alors ça ne ça, ça ressemble pas à une activité. Non, non, c'est vrai, ouais. Sauf que l'odorat, premier sens du chien. C'est celui qui l'ouvre le plus au monde, mmh. d'accord Lui, s'il commence à tout renifler, tout chercher, tout machin, oh, c'est incroyable pour lui. Mmh. Cette, cette, cette notion, toi, de toutes ces émotions qui remontent à chaque fois qu'il renifle quelque chose, c'est formidable. Sa balade d'une heure, elle lui permet de se dépenser, d'accord De mettre la dépense normale. Si tu rencontres des chiens, si tu vois la vie un petit peu, des vrais gens, je sais pas, un vélo, un jogger, mmh. euh, des oiseaux, des machins, des trucs, d'accord Il a en fait le panel suffisant pour être bien. Du moment que tu ne l'as pas carencé au départ. Parce que ce qui peut suffire à un chien stable, si entre 2 et 4 mois, tu m'as fait la technique de faut pas le sortir, pas qu'il court, ouais, faut ouais. pas qu'il machin, pas qu'il truc, à ce moment-là, il va développer des troubles qui feront qu'après, il aura besoin de 7 heures de sortie. Mmh. Il aura besoin de faire de l'activité. Il aura même besoin de faire du troupeau peut-être. Pourquoi Parce que tu as développé des troubles. Pas parce qu'il en a besoin de base. Et là, c'est la merde. Ouais. Parce que là, ouais. il va être demandeur tout le temps. Ouais. Et n'oubliez pas que ces chiens-là sont capables de travailler non-stop, même s'ils si ont des temps de repos quand ils étaient au troupeau. Oui. 7h, heures, 10h. Heures. Oui. Donc là, vas-y, tu peux Alors Attention, je ne dis pas qu'ils dirigent pendant 10 heures à troupeau, mais ils mais sont actifs euh, intellectuellement, intellectuellement pendant 10 heures. Ça et peut bosser longtemps. Et donc ça veut dire que c'est pareil, donc pour quand je vois, il faut absolument être sportif, en tout cas. Non, non, mais... Il faut... Mais tu sais ouais, ouais. es que quand tu dis ça, si tu pas sportif, pas de berger australien, fin d'histoire. T'es sportif Super. Prends-le, c'est cool parce qu'il va oui, courir oui. avec toi, il est endurant, c'est chouette, oui, mais tu pas peux... euh... mais comme... comme tous un... les chiens, finalement, euh, ça, comme ça. Comme un comme euh, caniche. Un euh, caniche, oui, bien sûr. D'accord Alors euh... après, il y en a qui... Tu vas courir... Oui, Bulldog américain, bon, oui, Bulldog Anglais, moins. Moins, il court. Moins, court, moins. Non, mais, mais on tu s'est sais compris. lié au berger. C'est sportif, bien. génial. Tu veux faire une activité Super. Super. Seulement si tu la fais parce que tu penses qu'elle peut être épanouissante et sympa. Et que tu ne fais pas que ça. Hey. Mais C'est là où je disais tout à l'heure, est-ce que c'est pas un chien de club mais est-ce que c'est est pas un, hey, -ce pas un chien qui toujours. se retrouve le samedi et le dimanche dans les clubs et la semaine, plus rien. Tu vois ce que je veux dire Et en disant, ouais, ça déculpabilise, ouais, mais attends, on va faire du sport. Horrible. Hein. On va faire du sport, ouais. Voilà, ouais. C'est horrible, mmh. d'accord C'est horrible. Ouais. voilà Mais le que est, est tout le temps horrible. Ouais. Sinon, tu fais du spécifique. Ouais. Mais quand tu fais que du spécifique, <laughs> Bah sauf si ta vie, c'est que ça, ouais. et si tu peux le faire, sinon, t'es mort. Hein. Mmh. Et euh, je pense... <laughs> Un berger australien, tu veux, je te dis ce que c'est, c'est un combattant de MMA. Tu sais pourquoi Parce que le combattant de MMA, il fait que plusieurs spécifiques. Mmh. Il fait du sol, ouais. fait euh, du striking, ouais. pied, ouais. poing. Il fait de la lutte, ouais. il fait du grappling, ouais. il fait du machin. Il se prépare physiquement. C'est plein de spécificités. Tu fais du club, tu peux voir un éduc, tu pars en balade, tu lui fais voir des chiens, ouais. tu lui fais renifler des machins. Ah, ça y est. Là, il est heureux. Une belle vie, ouais. une vie très large, ouais. très bien. Ça me va, ça me va très bien. Si tu fais du spécifique, mais tu fais que ça, ouais. tu fais que de la boxe anglaise, que des points, voilà. et fais que ça. Et ben, bah, bah, dans la vraie vie, ouais. dans sa vraie vie, à lui, t'es mort, ouais. t'es mort. Mmh. Maintenant, faites tout par plaisir et par joie procurée. Ouais. Le sport, d'accord, tel qu'il est pratiqué souvent avec une dérive compétition, ou en tout cas une mise en condition compétition, même si t'en fais pas. Plus le côté juste plaisir, on fait du sport extraordinairement dangereux ouais. pour le développement intellectuel du chien parce que tu veux tirer le trait et c'est là où tu te rends compte que le chien qui arrive sur le terrain d'agility par exemple à peine il est arrivé à peine il le voit ouais, 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 et comme un fou ouais. <laughs> et bien ça mm. quand tu vois ça sur un chien soit tu l'acceptes et tu dis ok bon bah il sera comme ça et j'ai compris qu'il va développer quelques problématiques mais ça lui plaît, bah, effectivement, ça lui plaît, ça lui plaît à l'extrême même. Moi aussi, et ça ne me dérange pas dans mon quotidien, mm -hmm. et je n'embête pas les gens, bon, bah, très bien, bah, alors euh, longue vie à est vous, c'est ouais. ce que je te dis, tu vois. Soit tu dis, ah bah non, 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 moi je veux faire du sport, pas pour qu'il soit extrêmement performant, mais pour qu'il soit extrêmement stable. Dans ces cas-là, tu as par exemple, on en parlait avec euh, Muriel, la mmh, mère, de euh, Claire, mère de coeur, dans la meute, mmh. qui fait de l'agility, mmh. Tu vas mettre de l'agility, que moi j'appelle thérapeutique ou de contrôle, enfin mets le nom que tu veux, je m'en fous, tu vois. À savoir que tu vas essayer de canaliser ton chien à travers quelque chose qui le rend heureux à le faire disjoncler pour justement le faire progresser cérébralement, ça. intellectuellement. Mmh. Mais en faisant ça, tu le coupes un peu dans son élan parce que ce que tu veux aussi, je caricature, mais c'est qu'il devienne le plus barge possible pour aller le plus, le plus vite, vite possible. possible. Enfin, bah, ouais. Ouais. Faites, faites votre... Euh, c'est un choix, c'est-à-dire que je pense que si tu parles avec un compétiteur, il dira, ouais, non, euh, Tony, pas de contrôle dessus. Moi, je préfère que le chien, ce soit une tornade et il aura raison. Si mmh. tu veux gagner, euh, c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, d'un point de vue vie quotidienne, sauf certains spécimens qui ont une stabilité intellectuelle supérieure aux autres. Mmh. Ça, ça arrive, d'accord mmh. Bon, bah, eux, à mon avis, c'est eux qui devraient euh, euh, aller en bon, compétition. Ouais, si ouais, voilà, euh... Les autres, tu devrais tout de suite te dire, oh là, là dans mon quotidien, je suis cuit. Ok, Pff, on euh... s'apaise. Et là, tu mets les choses en place. C'est un choix de vie que vous faites, mais. Vous n'êtes pas obligé d'être sportif. Par contre, il faut que vous puissiez marcher. Non mais évidemment, ouais, évidemment, mais comme voilà. chiens, ouais, vous oui. êtes chien. Vous n'êtes pas obligé faut aller se balader. D'aller euh, faire un sport canin. Oui, oui Mais si vous voulez en faire un et que vous le faites intelligemment, donc comme je vous l'ai expliqué là, ah, oui. c'est génial. aucun problème. Bah, J'ai aucun problème, tu vois. Et si t'en fais pas, oui bah, il oui, faut qu'il aille se balader mais ça c'est pas pour tout le monde. Faut mais si tu fais se et après, la balade, c'est non négociable. Ouais, en fait, ouais. c'est tu fasses du sport ou pas de bon, la, fasse... ouais. la balade c'est non négociable, la vraie vie c'est non négociable et après après ça roule, ouais. et après t'es heureux. Après ça roule, et après bien sûr, hein, on peut se dire, tu sais, ils ont le droit aussi d'avoir leur caractère. Hein. Ils aiment pas forcément tous les non, chiens, sûr, à les couilles. C'est comme tous les autres, tu vois. Euh, pour finir, faisons une prédiction. Qui va le dépasser euh, l'année prochaine ou le quand ça arrivera ah, alors ça va. Alors ça va dépendre de plusieurs personnes. Ouais. Ça va dépendre du gouvernement. Ouais. Si le gouvernement se dit bah tiens les staffies j'en ai marre de l'arnaque, je les mets en chien quatre. Oui. Bon bah le, staffie, le dépassera pas. Oui. Parce que le staffie, il pousse. Hein, le Le petit con. Hein. Euh, ouais. Le Golden en deux. Le Golden, pour le moment, il est il est protégé. Ouais. Bah Justement, un peu comme le Labrador à une époque. Ou ouais. le berger australien jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et il a plutôt bonne réputation. Oui, oui, oui. Il est clean. il est, C'est la Méditerranée. Ouais, ouais, bah, oui. C'est stable, tu vois. Donc, lui, il peut arriver. Il peut arriver. Ah, il, peut arriver. il peut le détrôner. C'est la place que personne, <laughs> en fait, le, la, la que personne ne veut. En fait, c'est la seule numéro un que personne ne veut. Qu'est-ce qu'il faut dire aussi Il ouais. y a énormément d'enculés d'éleveurs, de berger australiens, qui en on ont fait un business. Où là vraiment, c'est vrai, Carrefour. Là, là, c'est C'est euh, oui, mais... quoi un bon éleveur ou un mauvais éleveur de berger australien Franchement, tu vas sur n'importe quel salon du show, ouais. tu as du berger australien plus que les autres. Ouais. Et il y a une vraie dérive, pourquoi Parce qu'il y a un vrai business, ouais, parce ouais. qu'il y a une vraie demande. Ah, et numéro un, donc et oui. là, ils ont flairé. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'il y a aussi de l'usine. Euh, Alors, tu en as des très bons, des élevages, bien sûr. Mais tu en as des très mauvais. Et les très mauvais, ils fournissent tellement en masse, mais vraiment en masse. Bah, que tu te larroses. retrouves aussi avec des berges australiens avec des troubles de comportement qui de commencent essence. à apparaître ouais. de plus en plus tôt. Ouais. Et donc avec un terrain favorable génétique au ouais, euh, ou ouais. problème. Ah, là il faut, pareil, hein, carton rouge, il hein. ouais, ouais, faut ouais. que les bons éleveurs de berges australiens disent... Ils hey, se réveillent. Et pour se réveiller, tu sais, c'est pas compliqué, hein. c'est prendre la parole. Alors bon, je te parle pas du chef de race parce que bon, bon, euh, bon c'est fini. Oui. Mais tu prends la parole, même publiquement, mmh. et tu dis ah ouais, c'est vrai que... C'est pas trop con, toi, ce qu'on raconte là, et c'est vrai que les berges australiens, ils ont tous ces défauts-là, mmh. même si se fait cette race-là. Mais voilà comment ça peut bien se passer, et faites gaffe à ces élevages-là. Mmh. Il faut, en fait, avoir les couilles de dénoncer. Y aller. Ouais, c'est ça. Bon, je conçois que ce soit difficile, je conçois tout ça, mais, mais j'ai envie de dire aussi, bah, si tu le fais pas, de toute façon, c'est foutu. Bah euh, oui, euh... déjà, on est dedans, donc. Euh... Ouais, T'as ouais. pas de solution. Ouais, 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 ouais. Et vraiment, euh, que tous les propriétaires de berges australiens se disent, ouais, putain, mais c'est vrai. Oh, vas-y, bah, viens, en fait, il y a une solution pour être heureux. Il mm. y a une solution pour être encore plus heureux. Parce que des fois, tu es heureux, mais tu peux être encore plus heureux. Ah ouais, c'est pas une fatalité. Mm. Ah ouais, bon, il va nous falloir un an ou six mois. Et pourtant, moi, j'aime pas dire six mois, un an. Oui, oui, oui. Ça, tu sais, oui, tu, oui, tu connais, oui, oui, hein, oui. Euh, ça m'énerve. Oui. Mais j'ai bien conscience que si je vis pas avec toi, il oui, y a tellement compliqué. de petits trucs oui, oui. que c'est difficile, oui, d'accord oui. bon. Mais c'est pas une fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Ouais, Et non. surtout, hé hey, Soyez zen. On les aime vos chiens. On les aime toutes les races. On et aime même tous les chiens. Et même s'il est pas parfait, que pas baller, un robot, on s'en fout. On s'en fout, fout. fout. Et apprenez à rire aussi de ses fantaisies. Ouais. Et apprenez aussi à dire oh oui. Tu casses la tête, pépère <laughs> ouais. oh Oui, mais et, et vraiment, moi, moi, moi je pense que c'est aimer son chien ouais, ouais. que aussi de, de temps en temps, que, que de lui parler non, comme un mot. Euh, ouais, non, mais c'est ça. Enfin, oui, oui. moi, moi je mais d'abord ton enfant, même humain. Bon bah des fois, il casse la tête. Euh, voilà. Maintenant, est-ce que c'est ta faute souvent? Parce que souvent, c'est avant hein, que t'as voilà, mais, mais oui, en attendant, mais... Euh, mais dis-le, tu, dis, pas... tu le dis, tout va bien. En ah, fait, si tu le dis, tout va bien. Et t'arrêtes faut... de prendre la pression de éloigne-toi de ceux Donc qui. Donc, en gros, culpabilise ouais. et déculpabilise. Exactement. Tu vois le délire Culpabilise pour déculpabiliser, pour rendre les choses et plus ne plus la sûr. pression des autres. On s'en fout, fout. Bien sûr, évidemment. Bon, eh, dites-nous en tout cas en commentaire, vous qui avez des bergers australiens, tout ça, commentez à fond, partagez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, il y a les formations Esprit Doc qui sont là pour vous aider à éduquer votre berger australien, évidemment, sur espritdoc.com. Et puis bah, on se retrouve tous les lundis matin en podcast sur toutes les plateformes de podcast et ici sur YouTube le mois prochain pour une nouvelle race et bah, qui sera On on sait pas. Non, je vais te la donner. Ah vas-y. Qui sera le <laughs> voilà. On verra bien. <laughs> Allez, salut. Allez. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdoc.com.